vivant actuellement au nord de Stockholm, dans la région appelée les archipelagos, une région parsemée de lacs et de rivières avec des ouvertures sur la mer Baltique, ce qui amène une eau saumâtre, très très riche en nourriture, ce qui permet d'avoir un spot réputé au niveau européen comme une des meilleures zones pour la pêche du brochet, qui peut se développer dans un élément lui convenant particulièrement bien, des zones d'eau très très peu profondes, parsemées de roselières où la reproduction peut être à son maximum. Comme vous pouvez le voir, nous avons la chance d'être dans une semaine spécialement ensoleillée, avec une belle densité de poissons, et nous nous éclatons ici entre amis, donc à la pêche au brochet. Je profite de cette occasion pour saluer mes amis du club lancéen de pêche en mer, qui je pense auraient bien aimé pouvoir participer à ce voyage, mais qui malheureusement n'étaient pas disponibles pour l'instant. De toute façon, on a toujours dit 27. Ouais.
pas mettre les poules. Hein. Ok. Non, dans le sac, il va le poser. Because this is a heavy fish. 6.5. 6,5 kg, 98 cm. Il est là ? Pourquoi ? Je sais pas, peut-être que je veux l'oxygéner. Mmh. On va voir. Ah, what is Fais that? Fais gaffe à la canne. Hein. Je sais pas, je te dis juste un catch. You have to have something that shows side and side. Ouais. Use two notch patterns, one screamy, one natural. This I'm going to use to search for pike. Okay. When I believe it, there is a pike there, I can make them interested with this. And of course, this natural for the big, and big. Yes.
inside, down. There. And take it down. Oh, yeah. Okay. Tu vas? Viens de te faire un petit peu.